Salut, allez, nouvelle vidéo, nouvelle course sur Gran Turismo Sport. Donc, comme vous voyez sur PS4 Pro, je ne l'avais pas précisé lors de la première vidéo. Donc, on est en catégorie B, et donc c'est la course quotidienne sur, comme vous voyez, le Red Bull Ring. Donc, j'ai pris la McLaren 650S parce que j'avais pris la Mégane Trophy, mais bon, elle manquait cruellement de pêche. Là, le seul défaut de la McLaren, de ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est qu'elle s'ouvre énormément. Donc, j'ai pas réussi à. J'ai du mal à placer la bagnole dans les virages, surtout sur le Red Bull Ring, c'est pas forcément évident. Donc vous allez voir, c'est 5 tours, comme vous voyez sur le titre, trop fortes les Peugeot. Ouais, j'ai pas compris, les Peugeot RCZ sont souvent dans le haut du classement. Alors je sais pas s'il y a une sorte de BOP sur Gran Turismo, comme il peut y avoir sur certains titres PC. Désolé, hein, je vais souvent faire l'analogie entre les deux domaines, les deux mondes différents, on va dire, de la console et du PC. Mais bon, je vous laisse regarder la course, donc n'hésitez pas à suivre des petits conseils comme d'habitude. Je commence à m'y faire tout doucement à la manette, elle est toujours là, hein, parce que vous avez bien vu maintenant, je vais être en tout cas pour un moment 100% manette. Voilà, donc c'est une course intéressante, je progresse tout doucement, comme je l'avais dit, je pense, dans la précédente vidéo, je sais plus si je l'avais dit, il va falloir que je m'y mette, c'est au niveau des livrets, mais bon, pour l'instant, j'essaie de m'habituer à la manette, d'essayer d'être constant sur tout ça le plus difficile, et puis bon, on essaie de faire au mieux. Voilà, allez, je compte sur vous pour les likes, les commentaires, et puis on se dit à la prochaine. Salut! Allez, on est parti. Je suis sixième sur le Red Bull Ring avec ma McLaren 650S. Donc, sixième temps au qualif. Si je ne me trompe pas, c'est encore la Peugeot RCZ en première position. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a sur circuit. C'est juste impensable qu'elle soit meilleure qu'une McLaren. Enfin, bref. On va essayer de s'en sortir. Alors, je vise un top 5. Et ce qui me manque énormément, en tout cas sur circuit, c'est la constance. Allez, premier virage, on n'est pas trop mal sorti. Allez, poussez-vous de là. On bouge l'Australien, ou l'Anglais, je ne sais même pas ce que je dis, Australien. N'importe quoi. Derrière, il a failli me. Ah, moi je prends ma corde. Donc, je ne l'ai pas dit, c'est sur 5 tours, de toute façon, vous voyez. Ah, oui, mais tu freines comment, grand? Ça, il va me le faire payer, je le sens. Allez, on décroise. J'ai peur qu'il me fasse une saloperie au freinage. Allez, on va essayer de s'en écarter, lui. Ouf, allez, tiens la distance, P3.
surtout pas se prendre de pénalité, quitte à freiner un peu plus tôt. Là, ça sent la peine. Il y a des endroits, voilà. Il y a des endroits où j'ai encore un petit peu de mal à trouver mes repères. Ah, il est pas loin. S'est rapproché. Je sais pas si j'aurais peine là, merde. Alors je sais que ça fait deux fois que je lui fais, mais à un moment je suis sur la trace, je peux rien faire du tout. Oh non, une seconde de quoi là? Putain, c'est quoi cette pénalité là? Moi aussi je me suis fait rentrer dedans. Et eux ils ont rien. Ouais, un tour et demi et le podium qui s'éloigne. Ouais, je te laisse passer grand. Ah, c'est con, c'était vraiment bien engagé. Mais encore une fois, je l'avais dit. C'est ça qui me met à chaque fois dedans, ces pénalités là. Ouais, je suis plus vraiment dans la course. Hein. Dernier tour. Je peux encore m'en gâter de place. Duel franco-français. Portière contre portière.
Ah, c'est dommage, je m'en veux quand même un petit peu. Ah, lui a une pénalité peut-être. Je suis un peu loin malgré tout, on va regarder par rapport au résultat final. Donc là je suis cinquième, il a quoi, une seconde? Bah je pense que c'est bon. Non, non, ça va pas être bon. Il me manque encore une seconde, il me semble. Mince, ça c'est dommage. Bon, en tout cas c'était une belle course quand même. Je pense que c'est la meilleure que j'ai fait sur cette série. Donc au défi quotidien groupe 4 pour cette semaine. Ouais, donc j'ai eu des pénalités forcément. En fin de course, ça ne changera rien à la donne. Voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette course, de toute façon, j'en referai, puisque, comme vous l'avez certainement vu, je suis en train de revendre tout mon setup de Sim Racing PC. Donc voilà, cinquième course quotidienne B. Et je vous dis à une prochaine. Salut!